le grand air de la campagne. Mais c'est Madame Cygne. J'adore son émission. Elle résout tous les problèmes grâce à des mots dans lesquels on entend le son gn. Hein? Le son gn? Mais oui, décibels, le son gn, qui s'écrit avec les lettres G, N, comme dans campagne ou cygne. Oh, ou comme dans rossignol. Chut, 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 ça va commencer. Le pauvre rossignol, il a une extinction de voix, il ne peut plus chanter. Pas de panique, Madame Cygne a toujours une solution. Oh, vous êtes sûr, Sono? Certain. D'ailleurs, elle va très certainement lui concocter sa fameuse potion du gnet gnon gnet. De quoi? Sa potion de gna gna gna? Non. Ah, la voilà qui part à la recherche des ingrédients. Vous allez voir, uniquement des mots dans lesquels on entend le son gn. Vous aviez raison, elle cueille une vignette. Elle ramasse un champignon. Et voici un joli beignet. Vignette, champignon, beignet, je vous l'avais dit. Que des ingrédients dans lesquels on entend le son gn. Mais que fait-elle? Je crois que j'ai compris. Elle ne prend que les syllabes des ingrédients dans lesquels on entend le son gn. Le gnette de vignette, le gnon de champignon et le gnet de beignet. Incroyable! Une vraie potion magique! Mais pourquoi ce drôle de nom, la potion gnette gnon gnet? Mais parce qu'il y a 300 gnets. Il y a le gnette de vignette, le gnon de champignon et le gnet de beignet, tout simplement. Oh, je vois! La potion gnette gnon gnet. Gnette gnon gnet. Incroyable, cette Madame Cygne.